Chers téléspectatrices, téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à votre émission hebdomadaire de Politis. Ce soir, je reçois sur mon plateau M. Mohamed El-Bourbos, président du parti Mustapha. Monsieur le président, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, une question dont j'ai l'habitude de poser à mes invités. Pour commencer, quelle appréciation faites-vous de la situation politique qui prévaut actuellement en Mauritanie, de manière générale? Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de m'avoir invité à cette émission qui, en réalité, attire beaucoup de Mauritaniens. Merci beaucoup. Mais je voudrais au préalable vous dire que nous voudrions que désormais, au cas où nous avons des manifestations et auxquelles vous êtes conviés, de répondre favorablement à nos invitations, parce que rarement il est rare que vous venez à nos manifestations, alors qu'il nous honore de vous voir parmi les journalistes qui couvrent nos manifestations. Ceci dit, la situation politique en Mauritanie est une situation que nous avions créée, nous, politiques. Malheureusement, les soubassements sont là qui font que malheureusement, on n'arrive pas ni au niveau du pouvoir, ni au niveau de l'opposition, de pouvoir surpasser ce problème parce que chacun a son agenda propre à lui et refuse d'aller à un dialogue franc, un dialogue sérieux, un dialogue qui puisse nous permettre de pouvoir sortir de l'ornière de ces guerres fratricides, de ces révolutions qui, en réalité, jusqu'à présent, ne nous ont pas donné les résultats escomptés. Et nous pensons en réalité que le chemin est encore long. Mais il est long dans la mesure où en réalité personne n'est prêt à se surpasser et tendre la main à l'autre. Il est extrêmement court si tout le monde sait qu'il est d'abord mauritanien. Il a besoin de prêter main forte aux Mauritaniens pour la construction de la Mauritanie pour tous. Et qu'en réalité, quand il s'agit de ce qu'on appelle dialogue, eh bien donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire donner et recevoir. Et par conséquent, si ceci est réalisé, les problèmes, inchallah, sont résolus. Très bien. Monsieur le Président, je vais rebondir un peu sur votre première intervention. Quand vous dites que l'Ouattanien n'a jamais été présente dans vos événements, moi je dis sincèrement que l'Ouattanien est la chaîne qui se trouve partout où il y a une cérémonie, une invitation, un colloque, de manière générale, sans distinction aucune. Ça, je vous le promets personnellement. J'ai dit rarement quand même. Voilà. Donc, Monsieur le Président, vous avez rompu les ponts avec votre parti, Moustarbe. Quelles sont au juste les véritables raisons de ce divorce entre vous et l'autre aile dirigée par Oulbillé et le deuxième vice-président du parti? Mohamed Bourbos, en tant que président de Moustarbel, n'a pas rompu les ponts avec Moustarbel. Il a toujours été militant de Moustarbel, il a été son président à sa création et il le demeure. Eh bien donc, ce qui malheureusement prévaut, c'est une volonté de la part de certains de vouloir tout briser au profit de quelques agendas personnels. Donc, j'ai appelé plusieurs fois par des appels, par des conférences de presse, par le biais de certaines interviews, et j'ai même écrit pour que nous puissions nous dépasser et ne pas détruire notre parti, parce qu'en réalité, le défi est grand. Ce n'est pas que l'on continue à se quereller, mais plutôt à essayer de faire de sorte à ce que nous puissions dépasser les problèmes mineurs pour pouvoir créer un parti qui, en réalité, est le parti de tous les Mauritaniens et l'espoir de beaucoup de Mauritaniens. Ce que j'ai malheureusement constaté, c'est que mes amis ne cherchent pas à créer un parti. Mes amis cherchent plutôt à créer un groupe de pression pour pouvoir réussir quelques intérêts très égoïstes et très peut-être très personnels. Donc, je le regrette fort bien. Je sais qu'en réalité, il y en a certains qui, par les mensonges, par les calomnies, par les amalgames, eh bien donc, sont entraînés, parce qu'en réalité, ils ne connaissent pas la réalité, mais je sais que beaucoup de militants, qu'ils soient du Conseil national, qu'ils soient du bureau exécutif,
qu'ils soient des militants simples, qu'ils soient des coordinations au niveau de l'intérieur du pays, sont des gens sérieux et ils sont avec le président du parti parce qu'en réalité, eh bien donc, ce qu'ils cherchent, c'est plutôt la construction d'un parti politique. Ce qu'ils cherchent, ce n'est pas de suivre quelqu'un, mais plutôt répondre aux exigences qui sont celles de s'unir, qui sont celles de travailler pour la bonne marche du parti. Et je sais que les preuves sont là. Alors les militants attendent à ce que eux et le président, avec ceux qui veulent faire du parti de Moustakbel un parti fort, qu'ils puissent s'unir et continuer leur travail, parce qu'en réalité, c'est ce qui est important. Le reste, en réalité, n'est en rien important. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? Ce qui s'est passé réellement, en réalité... Le début de ce divorce. Eh bien donc, vous savez, c'est une discussion stérile. Parce qu'en réalité, on en a beaucoup parlé. Tout ce que je sais, c'est qu'en tant que président du parti politique, j'ai été mandaté par le bureau exécutif d'essayer de chercher un créneau d'alliance nous permettant de pouvoir continuer un travail sérieux. Et leurs résolutions sont là. Les résolutions sont là. Et qui demandent à ce que nous puissions trouver des partenaires avec lesquels on peut travailler. J'ai essayé, en allant au Maroc, j'ai rencontré quelqu'un qui m'avait suggéré ou qui m'avait dit qu'il y a des militants de l'UPR qui cherchent à nous rencontrer et discuter avec nous. Mais ce quelqu'un n'est autre que Sidi Mohamed Maham. Ah non, pas du tout. Sidi Mohamed Maham, la dernière fois que je l'ai vu, c'était avant les élections présidentielles au niveau du Palais des Congrès, lors du dialogue qui devrait avoir lieu entre l'opposition et l'UPR, la majorité. Après ce jour-là, je ne l'ai jamais plus revu. Alors, celui que j'ai rencontré, c'est un ami commun. Un ami commun à moi et le deuxième vice-président du parti. Bien, quand je suis allé au Maroc, il m'avait demandé de venir faire un ou deux jours avec lui. Il m'a suggéré de voir ces gens-là, s'ils sont sérieux pour que nous puissions collaborer. Quand je suis revenu, j'ai exposé le problème à mes amis. Et bien donc, ils ont dit que le moment n'est pas opportun de discuter avec qui que ce soit parce que la campagne était déjà lancée. On s'en est arrêté là. Et bien donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Quelques jours après, j'ai été convié à des réunions. Quand nous sommes venus, on m'a dit que apparemment, je suis en train de tricher avec l'UPR par le biais de cet ami-là. J'ai dit que non, je ne l'ai jamais fait. Et qu'également, Will Reis, en tant que gouverneur de la Banque centrale, serait également l'intermédiaire entre moi et le pouvoir. J'ai dit qu'il n'en était rien du tout. Et qu'en réalité, ce que je sais, c'est que jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, jusqu'au mois où je vous parle, jamais rien ne m'a lié de politique avec Reis. Pour ce qui est également de l'autre ami, quand mes amis avaient refusé de rencontrer celui que jusqu'à présent je n'ai même pas rencontré, je n'ai pas vu, je ne l'ai pas rencontré de visu. Quand ils ont décidé de ne pas le rencontrer en ce moment-là et qu'ils attendaient la fin des élections, je ne l'ai plus revu. On s'en est arrêté là. Mais le problème, c'est que mes amis avaient un agenda très clair. Et bien donc, je n'ai pas été docile aux injections de Samouri et de certains de ses amis. Et bien donc, je n'ai pas été docile pour que je sois le pantin, l'ombre de Samouri. J'ai voulu être le président du parti. Parce que j'ai mes prérogatives consacrées par les textes du parti. Maintenant que les gens cherchent à faire des militants du parti leur objet, je ne suis pas d'accord. Cela s'est manifesté plusieurs fois. Cela s'est manifesté par le fait que Samouri et ses amis ont voulu faire de lui le président du Conseil national. Ses amis ont voulu faire de Samouri le président d'El Harb. Alors, Samouri et ses amis ont voulu le porter à la tête de la liste municipale, la liste nationale de la députation, alors que le président du parti est là et qu'il n'avait aucun problème. Pendant les élections présidentielles, les amis de Samouri avaient voulu qu'il soit lui le président du parti. J'ai même obtempéré parce qu'en réalité, cela ne me dit rien dans la mesure où il veut être candidat. Et bien donc, c'est quand j'ai vu que les choses n'allaient pas bien,
quand j'ai constaté que mes amis étaient malheureusement les amis d'un homme, je les ai appelés. Messieurs, si j'ai fait la politique avec vous, c'est parce que je pensais que vous étiez capable de pouvoir discerner entre le bon et le mal. Alors donc, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. J'ai malheureusement constaté durant tout ce parcours qu'il n'en était rien. Je suis prêt à démissionner. Je ne suis pas prêt à aller et continuer avec vous dans ce cadre-là. Alors, faites votre choix. Que la démission soit entre nous, interne, je suis prêt à le faire. Et bien donc, qu'elle soit écrite, je suis prêt à le faire. Qu'elle soit solennelle, je suis prêt à le faire. Et bien donc, pourvu qu'il n'y ait pas de problème entre nous, parce que j'ai constaté malheureusement que vous n'allez pas loin. Et bien donc, apparemment, il y avait division entre eux, parce que chacun ne voudrait pas que je parte, d'autres voudraient que je parte, et bien donc, je suis revenu. C'était juste à l'orée des élections présidentielles. Quand je suis revenu, j'ai constaté malheureusement que les choses n'ont pas changé. Donc, ce qui était visé était clair. C'était de faire de Wilberforce un bouc émissaire, et bien donc, le tuer politiquement et lui coller l'étiquette de tricheur, de ceci, de cela, alors qu'il n'en est rien du tout. Maham, je ne l'ai même pas encore revu depuis le palais des congrès. Au niveau du Maroc, je n'ai rencontré personne. Et bien donc, je peux comprendre que mes amis aient des doutes quand il s'est agi de ma rencontre avec le Reis. Mais que mes amis soient plus ou moins civilisés, que mes amis soient plus ou moins sérieux, qu'ils acceptent qu'ils n'ont que des doutes en attendant de prouver le contraire. Mais qu'ils se basent sur leurs doutes pour dire que Wilberforce est ceci ou cela, eh bien donc je regrette. Je ne suis pas leur objet. Donc voilà qu'est-ce qui est de la crise de Moustakbel. Il n'y a rien. Il y a une volonté claire de vouloir tuer un homme, de vouloir le briser. Eh bien donc je tiens tête, je refuse qu'on me brise pour quoi que ce soit, alors que je suis sûr que je suis sérieux et que je suis propre. C'est-à-dire, vous voulez dire que ces accusations sont infondées? Ces accusations sont infondées. Très bien. Et pensez-vous qu'une normalisation de vos rapports avec vos adversaires de Moustakbel est toujours possible? Alors donc, j'ai fait plusieurs appels. À ce stade, parce que nous avons assisté le samedi dernier à leur conférence de presse. Et là, je crois que le temps était dur. À leur conférence de presse, eux? Oui, samedi dernier. Ah bon. Donc, moi, je sais que j'ai fait plusieurs appels à travers lesquels j'avais demandé aux militants de se rassembler autour de leur projet de société et de ne pas accepter de s'allier avec Satan. Parce qu'en réalité, quand on dit « qu'est-ce que j'ai fait ?» de façon plus ou moins claire, qu'il fasse qu'on dise « il a divorcé avec notre projet de société ». Moi, je n'ai rien fait. Ah donc, j'ai fait un appel d'ailleurs qui date du 5-7e mois 2014, demandant aux militants de regagner le rang du parti. Pour ceux qui sont allés avec les autres. Alors, le 25-9, on a fait une déclaration assez claire également, qui ne demande autre que à ce que les militants se rencontrent sur leur projet de société, acceptent de se tendre les mains les uns les autres pour mieux consolider le parti, et je continue à tendre la main, je continue à appeler les militants à le faire pour ceux qui avaient été malheureusement dupés. Pour certains qui, malheureusement, trempent dans de sales problèmes et qui cherchent par le biais de ces accusations infondées et certaines gymnastiques de vouloir éloigner les bras du parti, les hommes du parti, les femmes du parti, qui en réalité étaient ces fers de lance, et bien donc à ceux-là, ils sont même suspendus par le parti, ils sont même suspendus par le texte du parti, parce qu'il est interdit, dans les textes du parti, de dire quoi que ce soit sur un militant du parti si des décisions ne sont pas déjà prises. Alors qu'eux, ils ont fait leur campagne diffamatoire avant même qu'on ne fasse quoi que ce soit. Eh bien donc, je dois dire ici haut et fort que nous en appelons à la conscience de tous les militants du parti dignes
de ce nom, de regagner les rangs du parti, et que la base est avec nous. Les militants sérieux sont avec nous. Et bien donc, les jours à venir vous en diront long sur tout ceci. Et bien donc, et de laisser ces gens-là avec leur gymnastique, parce qu'en réalité, c'est les gymnastiques qui les mèneront nulle part. Et pour ce qui est des accusations, qui m'accuse? Quand certains disent Mohamed a été corrompu, moi je n'ai jamais été corrompu. Ceux qui sont corrompus, ce sont ceux qui, après avoir été adjoint maire d'AC, avaient vendu le parti pour n'être que pour être secrétaire général pour un autre mandat du PRDS, en l'occurrence le deuxième vice-président. Ceux qui sont vendus, ce n'est pas Mohamed Bourbos, ce sont ceux qui, alors étudiants, ont vendu assez et ont quitté ses rangs parce qu'on leur avait promis à leur sortie d'être embauchés ou parce qu'ils voulaient faire une place à X ou à Y. Ceux qui sont vendus, ce sont ceux qui ont vendu assez et leurs amis pour une affectation à Nouakchott et un poste bidon au niveau d'une direction, au niveau de Nouakchott. Ceux qui sont vendus, ce n'est pas Mohamed Bourbos. Ceux qui sont vendus, ce sont ceux qui ont reçu, ou dit-on, ont reçu de l'argent au nom du parti et qui l'ont gardé. Ceux qui ont reçu de l'argent au nom de la CLTM et qui l'ont gardé pour eux-mêmes. Ceux qui gèrent des marchés et gèrent des fonds de la CLTM et qui les gèrent pour eux-mêmes et non pour SSI, c'est le secrétaire général de la CLTM, ce n'est pas Mohamed Bourbos. Je n'ai jamais été vendu, je ne suis pas encore vendu, je ne cherche pas à être vendu et je ne le serai pas. Ceux qui sont vendus, ce sont ceux qui ont payé une cargaison pleine d'ordinateurs et qui vient de Genève et qui était destiné pour la société civile mauritanienne ici. Ah là, c'est faux. Ah, vous avez été... Monsieur Bourbos, vous êtes en train d'accuser, avez-vous des preuves? J'ai des preuves tangibles, pas plus tard que le jeudi dernier, quand j'ai parlé de ce problème, et quand j'ai dit que ce sont ceux-là qui sont vendus, et quand j'ai dit que je vais interpeller le ministère de l'Intérieur pour transférer le matériel et les meubles de Moustakbel vers le nouveau siège, ils sont venus le jeudi dernier vers 14h pour transférer ces ordinateurs. Un bus était là-bas, une voiture était là-bas. Les gens qui avaient transféré ce matériel sont là-bas. Et allez leur demander d'où vient ce matériel. Alors ce matériel vient d'où? C'est Samouri par le biais du secrétaire national, du secrétaire national chargé des élus, par le biais de notre présent secrétaire national aux finances, par le biais de certains secrétaires généraux de sections et qui ont fait du siège du parti une boutique pour vendre ce matériel-là. Ce sont ceux-là qui sont vendus. Mais la cargaison était destinée à qui? Elle était destinée apparemment à un ancien de l'IRA qui l'aurait prise ou amenée de Genève par le biais de quelqu'un qui était à Genève et qui a été arraisonné ici au niveau de Nouakchott et qui, pour payer la douane, les frais de douane de ce matériel-là, Samouri a été interpellé, il aurait payé quelques 2 millions d'ougiya et aurait imposé au bonhomme de lui reverser pour chaque ordinateur 14 000 ougiya pour le vendre lui à 40 000 ougiya. Ce sont ceux-là qui trichent. Ce n'est pas moi qui triche. Et je n'ai jamais triché. Et puis, supposons que j'ai triché. Pourquoi n'ont-ils pas demandé au Maham? Pourquoi n'ont-ils pas demandé le reste? Vous savez, quand je leur ai dit que je n'ai pas triché, et quand j'ai juré que je n'ai pas triché, parce que je pensais que j'étais devant des amis. Mais vous avez reconnu que vous êtes payé par la banque à 300 000 euros. Ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais reconnu que j'ai été payé. Et je n'ai jamais été payé par qui que ce soit. Je sais que je suis mauritanien. J'ai été maire. J'ai été ministre. Certains m'ont sollicité. J'ai rendu des services à des gens. Ou le Raïs, ou l'Abdelaziz, quiconque peut me rendre un service parce que je lui ai peut-être rendu un service. Ce n'est pas un salaire. La preuve en est que l'intermédiaire qui n'est qu'un autre qu'un membre du bureau exécutif était là avec moi. En l'occurrence, Mohamed Ibn Sulayman. Quand on lui a demandé de quoi il s'agit,
Il leur a dit, je ne sais pas, je sais seulement que j'ai apporté à Monsieur le Président une somme d'argent, mais je ne sais pas si c'est une corruption, je ne sais pas s'il s'agit d'un salaire, parce qu'il ne peut pas savoir. De quoi s'agit-il, monsieur le Il ne président? s'agit de rien du tout. Mais 400 Vous millions de savez dollars. tous, vous savez tous que nous, ministres, avec Sidi, avant le coup d'État, nous sommes redevables à l'État de certains arriérés consécutifs à l'accord de Dakar qui, en réalité, prévoyait à ce que nous soyons payés 10 à une année De salaire. de salaire. Eh bien, donc, ces montants-là n'ont pas été totalement payés. Parce que j'avais besoin d'un argent, j'ai sollicité Mais est-ce que Ouraïs vous devez être payé par la Banque pour lui centrale? demander. Mais est-ce que vous devez être payé par la Banque centrale? J'ai demandé à Ouraïs d'intervenir pour moi, auprès du ministre des Finances pour que je Ah. sois payé. Voilà, ok. Voilà ce qui a été fait. Ah, donc, que Ouraïs me fasse un geste, il en C'est tout à est fait normal. remercié. Il en est remercié. Mais je dois dire haut et fort que Oul Abdelaziz, Oul Raïs, quiconque ne peut pas me payer parce que je ne suis pas vendable. Tout ce que je sais, c'est que jusqu'au moment où je vous parle, c'est paradoxal. Je n'ai jamais parlé avec Oul Raïs de politique. Eh bien donc, de deux choses l'une. Vous me croyez en tant qu'ami de longue date. Je vous ai dit que je ne peux pas être vendu. Je ne le suis pas. Je ne vous ai pas vendu. Je vous ai juré que je ne suis pas vendu. Vous ne me croyez pas. Eh bien donc, amenez vos preuves. Avant que vous n'ayez des preuves, vous ne pouvez pas me coller quelque chose qui n'est autre chose qu'une émanation satanique. C'est-à-dire de l'état d'esprit de certains, ou d'une volonté machiavélique, une volonté satanique de vouloir briser un homme qui en réalité n'a rien fait jusqu'à présent et il ne le fera pas. Donc, vous n'avez pas flirté avec l'UPR, par Je exemple. vous assure que je n'ai flirté avec personne. Quand en réalité je suis revenu et que mes amis... Non, j'ai mes positions. Bien sûr. Mais quand mes amis m'ont dit qu'ils ne discutaient pas en ce moment-là avec quiconque, je me suis arrêté là. Je me suis arrêté là. Mais le problème, c'est qu'en réalité, mes amis ne sont pas de bonne foi. Voilà. Là, je passe à autre chose. Qu'en est-il maintenant du parti de Moustakbel? J'ai oublié de dire autre chose. Si en réalité les gens cherchent à faire une crise au sein de Moustakbel, c'est parce qu'en réalité, il y en a qui trempent dans un seul problème. Quand je suis revenu de mon voyage, la première réunion que nous avions tenue au niveau du bureau exécutif, j'avais demandé à ce qu'une commission soit mise sur pied pour faire une enquête sur des agissements de certains membres du bureau exécutif. En l'occurrence, le secrétaire général qui lui a flirté avec Tawassoul. Il a fait avec eux la campagne, alors que nous, on était Boycottiste. boycottistes. Eh bien donc, plus pour masquer tout ça, il faut faire un tapage, il faut créer quelque chose. Alors donc, j'ai des documents du parti qui préparait les élections. Quelqu'un a dit que Samori n'était pas membre de la commission qui était chargée de préparer les élections. Il est en tête de la liste sur le procès. Ce n'est pas moi qui ai fait cette liste-là. C'est en l'occurrence le secrétaire national à la communication. Ce n'est pas moi. Eh bien donc, si en réalité ces gens-là disent que il y a problème, c'est parce qu'en réalité ils ont des problèmes. Ils veulent les masquer et c'est ce qui en réalité justifie ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Moustakbel allait participer aux élections législatives et municipales. Alors, vous ne savez pas que Moustakbel avait déposé une liste au niveau de Kifa? Si. Municipal, ce n'est pas le président qui avait demandé aux gens de Kifa de déposer une liste. C'est Samouri. C'est le secrétaire national aux finances. C'est moi qui avais dissuadé beaucoup de gens de déposer des listes. Parce que quand les gens au niveau de l'UFP ont déposé, alors que nous avions déjà déclaré notre boycott, eh bien donc tout le monde s'est mu à bouger pour que Moustakbel dépose des listes. Eh bien donc je lui ai dit que ce n'était pas bon, ce n'était pas faisable dans la mesure où déjà ils avaient déclaré qu'il était boycottiste. Mais même avant,
Si nous n'avions pas déposé, c'est parce que nous n'avions pas pu. Ce n'est pas parce que les gens avaient pour décision de ne l'intention pas participer. De participer. La décision était de participer, mais les gens n'avaient pas pu participer. J'ai les preuves avec moi, je peux vous les donner. Et les documents sont là. Très bien. Donc, vous devriez participer aux élections municipales et législatives. Ah oui, et même présidentielles. Ah, ça, c'est excellent. Donc, vous avez eu recours au tribunal. Quel était le résultat ou le verdict, si vous voulez, Oui, c'est en réalité un problème qui mérite d'être élucidé. Vous savez, quand j'ai remarqué que mes amis étaient en train de manigancer quelque chose au niveau du bureau exécutif ou au niveau de leur staff, au niveau de leur petit groupe. Des instances du parti? Non, pas les instances, au niveau de leur petit groupe. Parce qu'en réalité, les instances du parti, je suis d'abord le président du parti, je suis encore le président du parti. Eh bien donc, au niveau du parti, ce qui doit être au moins fait au niveau du bureau exécutif, c'est moi qui le préside. Normalement. Eh bien donc, alors si quelque chose avait été fait, cela avait été manigancé hors des structures. Quand j'ai constaté que les gens étaient en train de manigancer certaines choses, alors j'ai voulu les en dissuader. Ils n'avaient pas écouté. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien donc, ils ont créé une commission en leur sein. Cette commission, si elle était créée dans les conditions normales, devrait convoquer le président, enfin, devrait convoquer le fautif en question, président, et discuter avec lui, s'enquérir du problème et avoir éventuellement ses propositions par rapport aux sanctions ou pas par rapport à ce qui s'était produit. Eh bien donc, cette commission n'a convoqué... Alors d'abord, elle n'avait pas été mise sur pied, parce qu'en tant que président qui présidait le bureau exécutif, je devrais au moins de deux choses l'une. Ou je devrais être présent lors de la mise sur pied de la commission, ou on devrait me signifier que je ne devrais plus présider le bureau exécutif parce que je suis soupçonné de ceci ou cela, et donner la présidence à qui que ce soit pour qu'il puisse mettre sur pied cette commission. Ceci n'a pas été fait. Eh bien donc, c'est une transgression des textes du parti. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Par ignorance. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'on m'envoie ce qu'ils appellent une décision du bureau exécutif, mais sanctionnant de suspension au niveau du bureau exécutif, alors que je n'ai même pas été entendu. Vous n'avez jamais gelé vos activités au sein de ce parti? Mais pourquoi? On m'a demandé de les gérer, j'ai dit que je ne le fais pas. Je leur ai dit de deux choses l'une. Soit vous avez des preuves tangibles que je suis ceci ou cela, et bien donc avancez-les, et bien donc et les textes sont avec vous. Vous n'avez rien contre moi, vous ne pouvez pas me renvoyer. C'est plutôt au niveau du conseil, du congrès, que je peux être éventuellement remplacé. Et je suis prêt. Je suis prêt à lutter. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé d'abord cette suspension. Et après, plutôt que d'attendre de faire un congrès ou de le préparer ensemble, eh bien, ils ont fait ce congrès bidon qui avait été d'ailleurs annulé par la chambre civile, par une décision du 6-7-2014 qui leur interdisait de continuer. Eh bien donc, ni leur décision de suspension, ni leur décision de renvoi ne sont effectives. C'est des décisions caduques. Eh bien donc, qu'est-ce qui s'était passé? Alors, quand le 6, nous nous sommes rencontrés au niveau de... Non, le 7, pour ce qui est de la 6 qui était prévue pour discuter d'une requête que j'avais déposée pour suspendre leurs activités parce que il était clair que c'était des gens qui étaient en train de saborder le parti, qui étaient en train de saper sa cohésion et son union. Et bien donc, j'ai demandé à ce qu'ils soient suspendus. Alors donc, le président de la chambre civile avait dit qu'il n'y avait pas lieu en ce moment de suspendre des militants du parti, cadre dans la mesure où en réalité nous avions ce qu'on appelle une autre
requête qui avait été déposée et qui devrait trancher de à qui reviendrait le parti. Voilà, ce qui supposait, ce qui voudrait dire quoi? Al-Barbos, vous restez président du parti et il reste membre des instances dirigeantes du parti. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu, par leurs amalgames, tromper les gens. Ils ont dit que c'est la chambre administrative qui avait statué pour eux de la décision de me chasser du parti. Chasser du parti. Bon, moi, j'ai fait appel. Voilà. Que j'avais gagné l'autre jour. Et quand je l'ai gagné, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que ceci ne rime avec rien du tout. Parce qu'en réalité, Wilberforce, nous, on l'avait déjà suspendu. Wilberforce, on l'avait déjà renvoyé. De deux choses l'une. Eh bien donc, soit vous croyez en la justice, eh bien donc vous allez répondre favorablement à ces décisions, ou vous ne croyez à rien, nous ne sommes pas dans une jungle. Si j'ai quitté le siège du parti, c'est parce qu'en réalité, je ne suis pas prêt à des confrontations inutiles. Je ne suis pas prêt à écouter des insanités de la part des gens qui malheureusement ont montré, preuve à l'appui, qu'ils ne sont pas sérieux, qu'ils sont prêts à tout. C'est pourquoi j'ai élu domicile ailleurs, j'ai informé le ministère de l'Intérieur, et d'ailleurs, je l'ai informé, j'ai écrit pour que le siège, le matériel soit transféré au nouveau siège. J'ai écrit également, je vous ai écrit vous en tant que presse, pour informer tout le monde que désormais, ces gens-là ne représentent plus officiellement, il ne le représentait pas du tout. C'est votre décision ou la décision du tribunal? Le tribunal a dit de façon assez claire, eh bien donc, que ces gens-là, qu'ils acceptent mon appel, qui consiste en quoi? La suspension de leurs activités au niveau du parti jusqu'à ce qu'on tranche dans le fond. Et l'annulation de toutes les décisions qu'ils avaient prises au nom des instances. Eh bien donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que je suis le président du parti, je les dirige. Eh bien donc, je tends la main à tous ceux qui veulent continuer à travailler dans le parti, mais pas à ceux qui veulent le briser. Eh bien donc, c'est pourquoi je vous ai écrit pour vous informer de la décision de la chambre d'appel. J'ai également ici avec moi les lettres que j'ai envoyées, celles-là. Elle doit être envoyée au président de la CODE qui malheureusement hier n'a pas on les a pas rencontrés, mais elle doit leur parvenir le plus rapidement possible. Celle-là, elle est envoyée au président du manifeste des Haratines pour leur dire que ces gens-là ne représentent plus ni El Moustaqbel ni El Har, parce que moi aussi je suis militant d'El Har. Cette lettre également est la lettre envoyée au ministre de l'Intérieur pour lui dire que ces gens-là n'ont jamais et ne représentent pas le Moustaqbel, et que celui d'entre eux qui ne serait pas mandaté par le président ne représente plus le parti, et que nous leur demandons de nous aider à transférer le matériel du parti. Celle-là est une autre lettre envoyée au président du forum pour lui dire que ces gens-là ne représentent plus le Moustaqbel. C'est une autre lettre également qui est envoyée au secrétaire national chargé des finances et qui avait refusé de la récupérer. On lui avait envoyé une lettre par le biais de certains des militants. Il a dit qu'il ne me reconnaît pas en tant que président du parti et qu'il ne prend pas la lettre. Qui ça? Ça, c'est le responsable aux finances qui est chargé du matériel du parti. Cette lettre lui avait été envoyée par le biais d'un huissier qu'il a rencontré hier. Et lui, il dit qu'il refuse de prendre également, de décharger l'acte. Alors que moi, qui je ne reconnais pas, je ne les reconnais pas en tant qu'instance, qui prennent des décisions en l'absence du président du parti. Et pourtant, j'ai réceptionné leurs lettres. Parce qu'il doit y avoir un minimum de civilité. Eh bien donc, prendre une lettre ne veut pas dire reconnaître. Vous pouvez prendre une lettre et répondre. Mmh. Mais parce que malheureusement, mes amis n'ont rien à dire. Mes amis pensent que nous sommes dans une jungle. Mes amis pensent que le parti est une propriété privée et qu'ils vont en faire ce qu'ils veulent. Non, le parti est un cadre politique. Le parti est une institution. Eh bien donc, il y a des règles qui gèrent cette institution. Il faut savoir les respecter purement et simplement. Et voilà. Voilà, bien, passons à autre chose. Monsieur Mohamed Bourbos, vous étiez membre
et dirigeant de l'APP, avec le groupe qui est actuel avec vous, de Mustaqbel. Pourquoi avez-vous quitté l'APP? Je dois dire ici les raisons qui vous ont poussé à quitter ce grand parti que l'APP. Les raisons qui m'ont amené à quitter le parti, je vais vous les dire tout de suite. Mais je dois dire de façon très claire, j'ai quitté l'APP en tant que cadre. Mais je n'ai pas quitté les idéaux de l'APP. Parce qu'en réalité, je considère que c'est un parti qui est le mien. J'ai également mis ma pierre dans l'édification de ce parti-là. Donc, je l'ai quitté parce qu'en réalité, j'ai voulu que l'APP soit le mieux dirigé possible. Et quand je l'ai quitté, ce n'est pas parce que je l'ai voulu. Je dois le dire haut et fort. Je regrette d'avoir quitté. Pensez-vous qu'il y a mieux que Massoud Al-Bulkha? Je regrette d'avoir quitté APP. Mais si je l'ai quitté, c'est parce que sincèrement, quand il y a eu la crise, c'était consécutif à certains agissements et ce que j'appelle une déviation par rapport à notre ligne politique. Eh bien donc, quand mon ami, j'allais dire mon grand frère, si je ne dis pas mon père, que je respecte, Mesoud, quand il a dit Al-Har, c'est pour moi, c'est moi qui l'ai fait et je l'ai dissous, je rappelle de façon assez claire que moi, quand j'ai tendu la main à ces amis-là, on était encore à Al-Har. En ce moment-là, il n'y avait pas de parti politique. Donc, nous étions amis dans Al-Har avant d'avoir intégré un parti quel qu'il soit. Et nous pensions que Al-Har était une référence pour nous, là où nous soyons, là où nous partons. Eh bien donc, j'aurais bien voulu qu'avant de dire solennellement et publiquement, je dissous Al-Har, qu'on se partage ce point de vue, qu'on l'accepte ou qu'on le refuse. Mais Al-Har, ce n'est pas l'APP. J'en viens. Deuxièmement, je regrette également que mon père, mon grand frère, mon président, ose laisser un membre dirigeant de l'Har, un membre de l'APP à la risée des Mauritaniens. Et il le balance au mouvement des jeunes et des femmes qui ne sont même pas des organes du parti. C'est des mouvements affiliés qui les laissent à leur merci pour demander sa liquidation, pour demander son renvoi, pour demander son exclusion du parti. Et ce que j'avais demandé était très simple. Moi, quand j'ai voulu parler du problème de Samoury, c'était dans un but précis, qu'il y ait un consensus, que le parti ne se disloque pas. Ça, vous voulez dire que Massoud Boulkhair a chassé Samoury? Massoud a cherché à ce que Samoury soit exclu du parti. Moi, j'ai voulu faire une médiation et j'ai été l'initiateur de cette médiation-là qui regroupait, en plus de moi, Mohamed Ouliarg, l'ex-ministre, et Edoul Atiha, la membre du bureau exécutif, et Yarbaou Nava. Et ce que nous avions voulu, ce n'était rien d'autre que de rallier les points de vue, essayer de ne pas créer une dissension au niveau de l'APP. Malheureusement, M. Oud n'avait pas vu ça de cet angle-là. Et bien donc, il a fait ce qu'il a fait. Et bien donc, moi, quand j'ai quitté l'APP, j'avais dit que c'est fini pour moi. Enfin, je ne fais plus de politique. Si j'ai fait de politique, c'est bien pour répondre aux doléances de certains amis qui, pour moi, étaient en mesure de pouvoir dissocier la graine délivrée. Malheureusement, j'ai constaté que ce n'était pas le cas. C'était apparemment les inconditionnels. Et d'ailleurs, je dois le rappeler ici, si ce n'était par nous, initiateurs de cette initiative ou de cette médiation, mais Samoury serait parti seul, on n'aurait plus parlé de Samoury. Alors maintenant que, eh bien donc, je suis allé avec Samoury, j'ai aidé ce groupe-là a créé un parti, on cherche à me chasser comme un chien enragé.
Et bien, donc, je leur dis qu'ils ne peuvent pas. Parce que moi aussi, j'ai mon pied dans le parti. Parce que moi aussi, j'ai mes amis dans le parti. Mais plus encore, j'ai la vérité avec moi. J'ai les textes du parti avec moi. Et bien, donc, si la justice va être juste, eh bien, donc, je sais que je vais gagner tous les procès. Si elle ne le sera pas, eh bien, donc, ce n'est pas la fin du monde. Mais ce que je sais, c'est que jusqu'à présent, la justice est en ma faveur. Les militants sont avec moi. Les structures au niveau de l'intérieur sont avec moi. La preuve en est que chaque fois que l'on fait une manifestation, quelle qu'elle soit, eh bien, donc, alors donc, les lieux sont archi-combles, alors que eux, eh bien, donc, généralement, ceux qui viennent visiter sont plus nombreux que ceux, que les Oui, militants qui monsieur sont le là à les ministre, attendre. laissons maintenant votre aile ennemie, je dirais, parce que vous en avez tellement dit. Mais revenons un peu à l'APP, l'APP qui vous a donné le statut de maire, de ministre. Et comme vous venez de le dire, vous avez regretté votre départ de l'APP. Oui, je l'ai Comptez-vous regretté. revenir à l'APP un jour? Non, vous savez, Avec le Moustarbel, pourquoi pas? vous savez, il s'agit d'une question de ligne. Quand en réalité, et puis, une ligne, elle ne se crée pas. Elle ne s'exécute pas par elle-même. Un projet de société s'exécute par des hommes. Eh bien, donc, si ces hommes ne veulent pas rester en harmonie avec ce projet de société, eh bien donc, eh bien ce projet de société, il peut être le vôtre ailleurs. Eh bien donc, je ne pense pas. En réalité, seules les montagnes ne se rencontrent pas. Mais je dois dire de façon assez claire que pour dire vrai, eh bien donc, j'espère que mes amis feront leur petit bonhomme de chemin au niveau de APP. Et que moi, je ferai également un petit bonhomme de chemin. Parce que très sincèrement, est-ce que la confiance n'a pas été ébranlée? Monsieur le ministre, on dit que votre départ d'APP est dû à votre opposition à l'intégration des bidanes et négro-africains dans ce parti. Ah non, pas du tout. En réalité, si tel est le cas, c'est déjà trop tard. Parce qu'en réalité, l'intégration APP, il y Écoutez, a eu. on L'APP, l'intégration a eu lieu en 2003. Et je dois vous rappeler que C'est moi, que j'ai. vous vouliez que ce parti reste un parti de Hartaï. J'en viens. Voilà, je Il vous y en a eu prie. intégration en 2003. N'est-ce pas? Et moi, j'ai été membre du comité permanent de APP après l'intégration. Et je dois vous dire également que même au moment où je vous parle, pour ceux qui sont allés avec moi et qui cautionnent, j'allais dire, les positions d'El Moustakbel, parce que les autres apparemment cherchent autre chose, je l'ai dit tantôt. Ce ne sont pas des gens qui cherchent à créer un parti, c'est des gens qui cherchent à créer un groupe de pression. Les bidans d'El Moustakbel sont avec moi. La preuve en est que non. Je peux travailler avec les bidans, je peux travailler avec les Kouars, je peux travailler avec les Haratim. Parce que ce que j'ai, c'est un projet de société. Oui, je ne m'en cache pas. Je défends les causes des Haratines. Je m'élève contre tout ce qui se fait contre les Haratines. Je suis de l'Hur. Je fais mien le projet de société que se propose l'Hur. Mais l'Hur n'est pas contre les Bidanes. Loin encore les Nord-Africains. L'Hur a un idéal. C'est que la Mauritanie soit celle de tous les Mauritaniens, des Mauritaniens égaux devant la loi, des Mauritaniens qui refusent l'exclusion, qui refusent l'esclavage, des Mauritaniens qui s'acceptent mutuellement et qui veulent faire une Mauritanie pour tous les Mauritaniens. Voilà Al-Har. Voilà ce que je veux. Voilà ce que devrait être APP. Et voilà ce que va être Al-Mustaqbel que je préside. Donc, en réalité, pas du tout. Et d'ailleurs, mes amis au niveau de APP, qui sont des nasseristes, qui sont d'autres obédiences. Je n'ai jamais eu de problème avec eux. Au contraire, non, pas du tout. Ce n'est pas mon discours, ce n'est pas mes visées, ce n'est pas ma vision des choses. Et je le dis haut et fort, je ne prétends jamais être raciste. Très bien. Je ne le serai pas et je n'encourage personne
à être raciste. Très bien, monsieur le ministre. N'avez-vous pas l'impression que la présidentielle de 2014, dans laquelle monsieur Biram Oulda s'est classé deuxième, et bouleverser les calculs des défenseurs dont vous faites partie, des Haratim? Non, pas du tout. C'est plutôt un bras de plus. L'essentiel, c'est qu'en réalité, moi, je considère que Biram, Boubacar, Mesoud, tous ceux qui se réclament de cette lutte-là, c'est des amis. Les formes de lutte peuvent être différentes. Elles peuvent peut-être être contradictoires. Mais en réalité, eh bien donc, comme on le dit souvent, eh bien donc, je ne partage pas avec toi tes idées, mais je suis prêt à me battre pour que tu puisses réussir tes idéaux, pour que tu puisses arriver à tes buts. Eh bien donc, non, je crois plutôt que c'est un bras de plus, que c'est également une tribune de plus. Et en réalité, il n'y a rien entre nous qui puisse nous faire dire en réalité qu'il y a problème entre nous et Biram ou entre nous, qui que ce soit d'autre, qui peut-être est différent de nous, du point de vue, forme de lutte, ou même idéaux ou projets de société. Très bien. Va faire un tour aux flammes. Le dernier congrès des flammes a revendiqué l'autonomie des provinces du pays, du sud du pays. Quel commentaire vous inspire-t-il de cette décision, monsieur le ministre? Eh bien donc, je reprends ce que j'ai dit tout de suite. Eh bien donc, je peux ne pas partager... Quelque chose de nouveau sur les flammes? Oui, je ne partage pas peut-être certaines idées avec des gens, mais je pense que ce sont leurs idées, ce sont leurs convictions, ce sont leurs projets de société. Il ne leur est pas interdit d'avoir des réflexions par rapport à certaines choses. Mmh. Eh bien donc, mais moi je crois que la Mauritanie est trop petite du point de vue nombre d'habitants pour être divisée. Je crois également que toutes les régions de la Mauritanie renferment des Maures, des Haratines, des Nogro-Africains. Eh bien donc, il n'y a pas lieu de créer des divisions au niveau de ce pays-là, qui a plutôt besoin de l'union, de l'unité, qui a plutôt besoin de la cohésion, qui a plutôt besoin de vivre ensemble que de se séparer. Donc, mon commentaire est très simple. Moi, je crois que nous avons beaucoup plus besoin de raffermir cette unité-là, de consolider cette unité-là et de nous accepter mutuellement que de nous diviser. Très bien. Quels sont les projets politiques de M. Mohamed Bourbos? Réintégrer son parti, fonder un parti, rejoindre l'un des partis politiques existants? Mais je ne vous comprends pas. Moi, je suis le président du parti de Moustarbel. Comment je réintègre un parti alors que je suis le président du parti? Écoutez, avant la décision de la cour d'appel, écoutez, les gens se posaient pas mal de questions. Les gens avaient... Et moi, je me mets à la place de spectateurs qui ne sont pas... Merci de m'avoir donné l'occasion d'élucider certaines choses. Voilà. Eh bien donc, les amalgames, les tricheries, les mensonges ont dérouté pas mal de gens. Voilà. Et c'est l'occasion pour moi de dire aux militants du parti que je suis resté président du parti, je le demeure. Je suis convaincu également que quand il s'agira de statuer sur le fond, je resterai le président du parti El Moustarbel. Donc, ceci dit, je suis le président El Moustarbel. Ah bien, donc, on dit, alors donc, la base est là. Les militants sont là. Eh bien, donc, les jours à venir vous diront où sont les militants El Moustarbel. Au niveau des sections, au niveau des coordinations, au niveau des instances du parti. Eh bien donc, que certains crient, que certains veulent dérouter les gens, eh bien donc, la vérité est tenace. Elle leur dira que Moustarbel a ses militants, Moustarbel accepte son président et il continuera avec son président, Inch'Allah. Donc, les choses soient très claires par rapport à cela. Et pour ce qui est à bon entendeur, salut. Quand, par exemple, j'ai entendu quelqu'un dire que certains ne sont même pas, certains qui sont du côté du président
ne sont même pas membres de Mustaqbel. En l'occurrence, un ami qui s'appelle Talba Ouleddi, qui a fait sa déclaration d'adhésion solennellement au niveau de ce qu'on appelle au niveau de la nouvelle maison des jeunes. Ahmed Salem Al-Kabash, et qui d'ailleurs avait été interpellé par le président du Conseil national pour leur dire, alors le président est ceci, le président est cela, évitez-le, il ne peut pas diriger le parti, et parce que maintenant ils sont de mon côté, ils ne sont pas du parti. C'est lui qui n'est pas encore du parti, et qui en réalité, je dois le dire haut et fort, ce qu'on appelle chez nous là-bas, Babo Kour, ce n'est pas Kour Babo. Et qui d'ailleurs n'a jamais, moi je ne l'ai jamais vu à l'opposition, parce que quand il a été, je m'excuse d'avoir nommé certains gens, mais en réalité il faut que les choses soient très claires. Et bien donc Ahmed Val ou le Mesoud, qui a été Wali de Thierry Zemmour, où est-ce qu'il était pendant? Il a été Wali par APP. Quand il y a eu le coup d'état de 2009, il était encore Wali de Thierry Zemmour. Moi, j'ai été président de la mission de Thierry Zemmour. Mais ce Wali de Thierry Zemmour, au nom de APP, n'a même pas daigné nous appeler pour nous dire bonjour. Parce qu'il a préféré son poste à APP. Et bien donc, ce Wali, qui est venu nous rejoindre après avoir été apparemment chassé par APP, c'est moi qui l'a rencontré. Mais jusqu'à présent il n'a pas fait sa déclaration. S'il nous dit qu'il est membre de APP et qu'il s'investit pour aller apparemment signer et faire des mandats ou des, comment on les appelle, des procurations pour des avocats pour plaider la cause de ses amis au niveau du bureau exécutif. Eh bien, c'est celui-là qui n'est pas membre d'APP jusqu'à présent. Eh bien, donc, ce sont ceux-là qui, en réalité, sont en train de prêcher dans un désert et qui, en réalité, n'appartiennent à rien. Ils courent et crient derrière des hommes qui vont être déboutés parce qu'en réalité, les textes du parti ne sont pas avec eux. La vérité n'est pas avec eux et les militants ne sont pas avec eux. Très bien. Mais quels sont vos projets Mes projets, c'est qu'en réalité, nous allons Nos activités prochaines, j'ai commencé d'abord par informer des partenaires politiques, même ceux qui sont au niveau de l'opposition, ceux qui sont au niveau de la majorité. Nous investissons également pour essayer de mettre à contribution l'administration, pour que certes, quelques problèmes soient tranchés. Par exemple, le transfert des meubles et du siège, du parti au nouveau siège, n'est-ce pas? Eh bien donc, ceux qui acceptent de collaborer, ils sont les bienvenus. Ceux qui refusent de collaborer seront changés, seront remplacés par d'autres responsables provisoires en attendant de faire l'implantation et de faire le congrès et choisir des responsables au niveau local. Et bien donc des réunions au niveau des quartiers vont être faites, des visites au niveau de l'intérieur vont être faites pour essayer de répondre aux attentes des militants, de leur expliquer ce qui s'était produit. Et je suis sûr qu'en réalité c'est mes amis qui sont là et qui en réalité cherchent à créer un problème au niveau du parti, eh bien donc ceux-là, ils n'ont plus de tribune parce que le parti c'est fini, parce que même avant cette dernière décision de la chambre d'appel, ils ne pouvaient pas faire de meeting, ils ne pouvaient pas faire de manifestation populaire, ils ne pouvaient pas aller dans un lieu public parce que cela